Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le jeudi 20 mars et la nouvelle du jour, le coup de tonnerre, c'est bien évidemment le Philippe Bouvard qui quitterait les grosses têtes et Laurent Ruquier qui le remplacerait plus sérieusement. Donc hier, on a eu beaucoup de mouvements sur les actions, beaucoup de mouvements sur l'euro, sur le dollar qui a rebondi parce que finalement, eh bien, la plus grande dealeuse de liquidité du monde a décidé qu'il y aurait moins de calme sur le marché. Elle va probablement accélérer son programme, enfin réduire le programme de quantitative easing. Et elle parle même, on parle même de remonter des taux d'intérêt à partir de 2015. Et bien, du coup, tout le monde a paniqué. Alors, ça n'a pas été la grosse panique sur les marchés américains. On a eu une petite baisse. Par contre, sur le dollar, on a eu un rebond qui est assez spectaculaire. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est la présentation du budget anglais hier, c'est tout simplement dingue. Voilà des gars qui remontent leur taux de croissance de 2,4% à 2,7%, mais qui disent il ne faut pas se réjouir, il faut continuer l'austérité, il faut continuer à faire des efforts, alors qu'en France, on s'est quand même excité pour une remontée de taux d'intérêt, de taux de croissance juste au-dessus de zéro. Très intéressant, vraiment très intéressant. Une étude du Trésor qui est publiée dans les Échos qui explique quand même à quel point tout ce qu'on nous raconte sur les impôts est absurde. Les impôts sont progressifs et réduisent les inégalités. Donc à lire en détail. Alors on revient quand même sur la Fed. Hein. Alors non seulement elle a annoncé qu'elle mettrait moins d'argent sur le marché, mais elle a annoncé aussi qu'elle ne voulait pas être bloquée par cet objectif de taux de chômage. Vous savez qu'ils avaient dit que si le taux de chômage descendait en dessous de 6,5%, il remonte automatiquement les taux d'intérêt. Elle n'a pas envie d'être coincée avec ça. Et donc, elle dit que finalement, elle regardera un ensemble d'indicateurs économiques, l'emploi, le chômage et autres. En Ukraine, eh bien, Poutine, ça y est, a annexé la Crimée et puis personne ne dit rien. L'Ukraine prévoit même d'évacuer ses troupes pour qu'ils arrêtent de se faire tirer comme des lapins. Il y a eu un mort sur un soldat ukrainien. Et l'Europe et les États-Unis prévoient de nouvelles sanctions. Et je peux vous dire que Poutine s'en fout complètement. Et ce matin, le yuan a continué à baisser. La dévaluation de la monnaie chinoise par la Chine continue. Tout ça pour relancer son économie. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.